de la lumière rouge pour favoriser le sommeil. C'est ce que prétend l'entreprise E-Lite Sleep, qui affirme que ces lumières permettent de dormir plus profondément. Un de ses arguments de vente, les études scientifiques. On s'est penché là-dessus. Je fais partie des 20 000 Québécois qui dorment mieux grâce à une entreprise d'ici. E-Lite Sleep, c'est un appareil breveté d'aide au sommeil inspiré par la NASA. Devant des promesses aussi alléchantes, l'insomniaque est prêt à tout essayer. La finalité, c'est que je veux dormir. Je veux connaître qu'est-ce que c'est qu'une nuit de sommeil profonde, ce que je connais pas. Yves de Rosby a des problèmes de sommeil depuis son jeune âge. Grutier de profession, il a travaillé de nuit une bonne partie de sa vie. J'ai jamais été capable de récupérer tout ça depuis ce temps-là. Donc, j'ai eu des difficultés qui se sont accumulées. Je dors pas. J'ai une nuit de sommeil environ de 5 à 6 heures par nuit. Sa conjointe, Marielle Thériault, s'inquiète pour sa santé. Elle s'est dit que le E-Lite pourrait peut-être aider. C'est une publicité que j'ai vue à la télévision. Alors là, j'en ai parlé à Yves. J'ai dit peut-être que pour toi, ça serait une solution. Nous lui avons proposé d'essayer le produit. Là, je me dis, je suis pas fermé à essayer des choses pour voir si ça peut m'aider. Le E-Lite Sleep est une invention pour l'aide au sommeil brevetée en France. L'appareil, créé au Québec, est vendu près de 140 $. Sur Facebook, l'humoriste Jérémy Demé explique comment il fonctionne. Le E-Lite Sleep va émettre une lumière rouge d'une longueur d'onde pure calibrée à exactement 630 nanomètres pendant 14 minutes. Alors, les cellules derrière tes yeux vont capter cette longueur d'onde et favoriser la production de mélatonine. Sur son site web, E-Lite fait plusieurs affirmations. Endormez-vous plus rapidement, dormez mieux, dormez plus profondément. Et il est inspiré par la NASA. Lorsqu'elle m'en a parlé, puis lorsque j'ai vu la publicité, je regardais ça, je trouvais que ça avait l'air un peu... Remède miracle. L'entreprise dit s'appuyer sur des études scientifiques, dont une qui, selon E-Lite, démontre que la lumière rouge favorise la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Deux de ces études proviennent de la spécialiste du sommeil américaine, Mariana Figuero, qui ne comprend pas pourquoi E-Lite cite ces études. Definitely, our studies do not support the idea that red light improves your sleep. This is not what we are showing. Surpris et étonné par cette réponse, nous sommes allés à leur boutique de Montréal munis d'une caméra cachée. La vendeuse, qui est aussi propriétaire, va beaucoup plus loin que les affirmations du site web d'E-Lite, entre autres sur le nombre d'études sur la lumière rouge. Sur la lumière rouge, il y en a au-dessus de 4 000. Là. Fait que, tu sais, c'est révolutionnaire. D'accord, intéressant. Hein? Mais selon les experts que nous avons consultés, on est loin de milliers d'études sur la lumière rouge et le sommeil. Selon Véronique Danneau, chercheure à la Clinique du sommeil de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, celles qui existent sont peu convaincantes. Pour les études qui ont montré des effets de la lumière rouge sur le sommeil, ces études-là comportent très peu de sujets. Et ils ont principalement regardé des mesures subjectives du sommeil. Une mesure subjective est une auto-évaluation du patient avec un questionnaire. Une mesure objective permet de mesurer la durée des différentes phases du sommeil à l'aide d'électrodes. C'est basé sur des études de la NASA. Donc, le même genre de lumière. Même genre, même longueur d'onde. Même longueur d'onde utilisée par la NASA. Ouais, exact. La NASA n'a pourtant publié aucune étude faisant référence à une lumière qui a la même longueur d'onde que les E-Lite, selon les spécialistes que nous avons consultés. Nous avons écrit un chercheur, Robert Soller, qui a travaillé sur l'éclairage de la Station spatiale internationale. Il nous répond que les astronautes n'utilisent pas de lumière rouge pour dormir. Au coucher du soleil, la longueur d'onde dominante, c'est celle-là. Mm-hmm. Elle dit au cerveau, ah, c'est l'heure de relaxer. Et c'est l'heure de favoriser la production de mélatonine et même l'accélérer. Wow! C'est toutes des choses qui sont améliorées grâce au E-Lite. La chercheuse Véronique Danneau affirme au contraire que ces liens ne sont pas démontrés. On a quelques études menées chez un petit nombre de sujets qui vont montrer des augmentations de mélatonine suite à la lumière rouge, mais on n'a pas d'augmentation de la durée du sommeil. On n'a pas ces études-là. Pour le moment,
Les études ne démontrent tout simplement pas que la lumière rouge est efficace. Ce n'est pas prouvé que l'exposition à la lumière rouge va avoir un impact sur ces mesures objectives du sommeil. Il n'y a pas de consensus scientifique, non plus que d'études cliniques qui démontrent l'efficacité de la lumière rouge sur la qualité et la quantité de sommeil. L'un des inventeurs du E-Light est pourtant un chercheur sur le sommeil, Claude Gronfrier, du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Difficile donc de s'y retrouver pour les consommateurs. Ce que je pense, ça arrive souvent maintenant, surtout par Internet, bien, tu tombes sur un article qui pourrait t'intéresser. Souvent, c'est ça, c'est qu'on prétend que c'est corroboré par des scientifiques, corroboré par des toutes sortes de tests, puis il n'y a personne qui peut, autrement dit, contester ça facilement. Les dirigeants d'E-Light, Greg Bonnier et Jasmine Lebeau, ont accepté de nous rencontrer. Vous affirmez que on dort mieux, on dort plus profondément, oui. On dort plus rapidement avec la E-Light. Vous êtes basé sur quoi? C'est basé sur deux choses. Dans un premier temps, le retour des clients. Mais ça, on ne savait pas avant de faire l'appareil, n'est-ce pas? Donc, c'est surtout les études. Donc. En tout cas, la science ne le montre pas comme tel que la lumière rouge aide au sommeil. C'est pas démontré scientifiquement. Pas encore, peut-être. Non, mais en termes de chiffres, c'est assez... Mais vous laissez entendre, quand vous vendez votre produit, que c'est appuyé par la science. Oui, ça l'est quand même. On s'est basé sur tout ça pour arriver à ces paramètres-là. Pour vous, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. On a 50 000 personnes qui l'ont acheté. Et là-dedans, il y en a 4 à 5 % de retour. Moi, quand je suis pas satisfait d'un produit, puis que j'ai spécialement 30 jours, on donne 30 jours même. C'est pour ça qu'on donne cette période d'essai-là. C'est pour être certain qu'on ne vend pas quelque chose qui va pas fonctionner sur la personne. Ils soutiennent que les 4 000 études auxquelles ils faisaient référence lors de notre visite à leur bureau portaient sur la lumière rouge en général. Ce que je pourrais faire, c'est vous pointer vers justement Olivier Cazelle puis le docteur Gronfrier. Nous les avons joints. Claude Gronfrier nous écrit, en tant que scientifique, il ne peut pas se prononcer sur l'effet de la lumière rouge produite par leur système sur le sommeil et que nous avons besoin de plus d'études bien menées chez l'humain. De son côté, Olivier Cazelle reconnaît lui aussi qu'il n'y a pas d'études probantes sur les bienfaits de la lumière rouge sur le sommeil. Il n'y a pas de base scientifique sérieuse. Là, je vous rejoins, mais à la 200 %. Par contre, quand il a fait essayer le E-Light à une cinquantaine de personnes de son entourage, il a obtenu une majorité de commentaires favorables. Je dis juste qu'on ne sait rien, que toutes mes recherches que je continue à faire me montrent qu'il y a certainement un truc avec la lumière. Mais bien sûr qu'il faut mener des études, je suis le premier à vous le dire. Dans les faits, pour mieux dormir, la science indique plutôt qu'il faut diminuer notre exposition à la lumière, surtout à la lumière bleue. Les recommandations internationales sont claires. 30 minutes avant le coucher, on sort les écrans des chambres à coucher, puis on s'éloigne le plus possible de la lumière. Quant aux deux comédiens des publicités de E-Light, Richard Turcotte nous affirme qu'il est satisfait du produit et Jérémy Demé n'a pas répondu à nos questions. Bonjour. 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 Ça fait 3 semaines que vous avez l'E-Light en votre possession. Oui. Ça fait 3 semaines que vous l'essayez? 3 semaines, tous les nuits. Nous sommes retournés rencontrer M. De Rosby pour savoir s'il fait partie des nombreux clients satisfaits allégués par la compagnie. Est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Dans mon cas, moi, ça n'a pas fonctionné. Mais en même temps, je suis content de l'avoir vérifié. Je ne l'ai pas acheté. Puis je ne l'achèterai pas, là, ça, c'est évident. Non. E-Light Sleep a retiré de son site Internet les études de la scientifique américaine Mariana Figuero. Et d'ailleurs, selon le Centre de contrôle et de prévention de la maladie des États-Unis, la lumière rouge n'a aucun effet sur le cycle du sommeil.